Bon bah c'est Fadel, humoriste, youtubeur, du net, ce que vous voulez. Bon bah là on est au Paname, pourquoi pas stand-upper dans un futur très proche. Ça tourne, action. Je dirais charrieur, bavard, là j'étais une vraie pipelette, et timide. J'étais coincé du cul, laisse tomber. Malheureusement j'avais pas le droit de mettre de poster. Parce que du papier peint, la peinture et tout, ça colle. Non, on n'avait pas le droit. Franchement, j'ai voulu tout faire. De pilote, en passant par postier. Franchement, j'avais trop de métiers, je voulais tout faire en fait. J'ai pas vraiment de secret pour entrer dans la peau des personnages, c'est plus selon mon mood, l'ambiance, comment je me sens et tout. C'est vraiment au feeling. Franchement, aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est ma famille. Ma famille, c'est une grande source d'inspiration. Mes oncles, mes tantes, je suis très famille, donc j'ai grandi avec eux aussi. Et ouais, j'observe et c'est ce qui m'inspire beaucoup. Franchement, la vérité, il n'y a personne qui a cru en moi. J'ai cru en moi tout seul. Personne ne m'a boosté ou quoi. J'ai commencé solo et par la suite, c'est toujours comme ça. Quand ça marche, après on dit vas-y, continue, c'est bien et tout. D'être hyper rigoureux et exigeant avec soi-même et dans le travail qu'on fait, peu importe le taf. Franchement, j'ai pas vraiment d'astuces, c'est pareil, c'est au feeling, j'appuie sur le bouton de ma caméra et vas-y, go. Hein. Des fois, je danse un peu avant de filmer, ça me détend. Souvent dans ma chambre, quand je suis allongé, quand je suis... Souvent avant de dormir. Avant de dormir, j'ai de l'inspi, je commence à prendre mon téléphone, je mets dans notes et tout. C'est mon lit superposé, c'est une bonne source d'inspiration. Ouais. Bah écoute, franchement, si tu kiffes l'audiovisuel, si t'as un projet, si t'as envie qu'on te pousse, t'as envie qu'on t'aide, t'as envie d'être accompagné, lance-toi, fais ton truc et ça va marcher, t'inquiète. Franchement, pour faire le même sort de vidéo, je passerai le flambeau à Omar Sy. Omar Sy, il inspire tout le monde, toute une génération, et je pense que c'est un bon moteur. C'est quelqu'un qui booste, il en est où il est aujourd'hui, et grâce à son taf, grâce à son travail, donc je dirais Omar Sy.